Salut à tous et à toutes, c'est Marcel, j'espère que vous êtes tous très bien. Écoutez, moi ça va nickel. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Obscure Clan. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur l'Obscure. Ça faisait un petit moment que j'avais pas commenté dessus. On va se retrouver déjà avec un gameplay de Stéphanois, voilà, un habitué de la chaîne, hein, vous connaissez. C'est un véritable massacre le gameplay. C'est un 90 gun streak sur Black Ops 3 évidemment. Une triple nucléaire équivalente. Enfin, il va pas s'arrêter. Le mec, il viole la game tout simplement, il s'arrête pas. Il enchaîne les ennemis, il a pas trop le temps, enfin il varie entre la HV40 et la CUDA pour faire ses kills. Vous allez voir qu'il a juste une facilité déconcertante pour tuer ses adversaires, hein. C'est comme si c'était des bots en face. Donc voilà, bref, je vous laisse kiffer le gameplay et on va attaquer le sujet tout de suite. On va parler du DLC zombie qui pourrait intervenir dans les prochains Call of Duty. Alors si c'est le prochain, c'est sûr que ce serait mieux, mais il y a pas mal de rumeurs qui tournaient autour de ça, des youtubeurs américains qui faisaient tourner cette information, parce que c'est vrai qu'Activision laissait paraître des sous-entendus dans les tweets, etc., en disant qu'il y aurait la possibilité. En gros, enfin ils l'ont pas dit clairement, mais il y aurait peut-être la possibilité en gros avec des gros sous-entendus qu'il y ait un DLC spécialement zombie. Donc qu'est-ce que j'entends par un DLC spécialement zombie? C'est qu'il y ait zéro map multijoueur et uniquement des maps zombies. Ça voudrait dire que si on suit la logique des DLC qu'il y a eu jusqu'à maintenant, ce serait 6 maps zombies qu'on pourrait avoir sur les prochains Call of Duty, enfin ou sur le prochain on espère en tout cas. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai voulu vous en parler aujourd'hui parce qu'il y a un article qui est sorti quand même. Bon, je crois pas qu'il soit si récent que ça l'article, mais je vous le mettrai en description. Et c'est vrai que voilà, de plus en plus important cette rumeur. Et c'est vrai que cette rumeur prend de plus en plus son importance, donc je voulais avoir votre avis par rapport à ça. N'hésitez pas comme d'habitude à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Moi je regarde bien sûr tous les commentaires, que ce soit sur ma chaîne personnelle d'habitude ou sur la Obscure Clan, voilà. Je regarde tout le temps, de toute façon, tout le temps les commentaires, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt YouTube si je regarde pas ce que pense la communauté de la Obscure ou ma communauté. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu comme d'habitude, tu mets ton gros pouce bleu, tu commentes, tu partages, tu félicites Stéphanois pour son gros gameplay, parce que franchement je pense qu'il le mérite, hein, il a fait un gros gameplay, on va pas se mentir, enfin gros gameplay. C'est quand même un bon gameplay, mais pour Stéphanois, je pense que c'est pas ouf, tu vois. Mais c'est un bon gameplay, voilà, 90 gun streak. Dites-moi pareil ce que vous en pensez du gameplay, si vous avez des choses à dire, des suggestions de vidéos. Comme d'habitude, vous débattez dans les commentaires par rapport à ça, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner à l'Obscure, à Stéphanois et à ma chaîne personnelle. C'était Martial et frérot, ciao.